poulet, 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 poulet. Yo la Yoshi Family! Hey les amis, c'est Yoshi Carbogeman et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 28 de Mr. and Mrs. Yoshi, Yoshi Souling Challenge. Pour s'enfiler donc ces chères petites kimonos en nombre de 5. Alors ce soir, ça va être chaud. On prend laquelle? Chaud patate. Oh, prends celle que tu veux, je prends ce qui reste. Celle du milieu. Alors pour les équipes au passage. Ok. Pour les équipes, c'est la même équipe que lors du dernier épisode, oui. On a juste rajouté un seul Ourdo et Fionn. Voilà. Il faut parler au centre de l'estrade, vas-y. Nous allons ici maintenant mettre à l'épreuve tes talents. Lordal peut-elle commencer? Yes. Je tourne. Montre-nous la force du lien qui t'unit à ton équipe de Pokémon. Alors du coup, ce que j'étais en train de dire, je sais même plus, ça y est. Elle est trop kawaii. Chef Mélon. Alex. Mélon, 38. Ce que ouais, je voulais dire, je ne sais plus. C'est qu'on a fait évoluer nos Pokémon. Donc moi, mon Moonja est devenu un Ninjask. Et son Sabelette, un... Canartichot. Un Canartichot, voilà. Donc ils sont pas oufissimes. Ouais, du coup, on les a laissés à la maison. Oh, non, on les a vraiment laissés à la maison. Croissance. Non, j'aime pas Roulade. Donc, logiquement, si tout va bien dans cet épisode, nous allons nous farcir les légendaires, peut-être. Oh, mon Dieu. Mais déjà. Moi, ça va être relou, d'accord. On va essayer de s'en sortir à tuer tous ces Pokémon. Voilà, j'ai tué la première. Je n'ai ni tragédie. Mais oh! Mais pourquoi t'as passé? J'ai pas le temps de lire le jeu, il a fait salut. Ok. Alors je n'ai ni tragédie plus un seul T'as vu? Ok. Alors, vous lirez tout seul, vous mettrez sur. Alors, voilà. Quelle force tu as là? Tu m'avais secouru dans les bois aux chênes. Je suis Umeko, qui souvent s'égare. Tu as défait la team Rocket au puits Ramolos, puis aidé le malheureux Fingas. Je l'ai vu de mes yeux. Maintenant, voyons de quoi tu es capable au combat. Combat! Voilà. Voilà. J'ai pas envie de parler aujourd'hui. Alors, c'est qu'est-ce que Draco, Draco 38. Flore. C'est pas Sériflore. La Sériflore, pardon. Que de souvenirs. Oui. Non, mais en fait, ton Séribou était censé évoluer en Grotto de Morve, je te rappelle. Oui, mais je suis triste quand même, ok. Pas en Sériflore. Mais je suis triste quand même. Ouh, il nous fait une petite tragédie. Il m'a chagné. Ouh là là, le vilain. Ouh là là, toi, je t'aime pas. Allez. Allez, petit aéroblast, histoire de... Voilà, mon petit Fionn. Tu vas mourir. Il est mort. En fait, on fait un épisode full légendaire aujourd'hui. Hein. Voilà. Moi, j'ai un fabuleux, elle a un légendaire. Ouais, que j'ai pêché. Voilà. Quelle exceptionnelle force que tu détiens. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. J'ai le temps de le lire. T'as vu? On se complète bien. Oui. Bon, pour l'instant, tout va bien. Oui, c'est facile. Hein. Environ 3 minutes d'épisode, tout va bien. Impressionnant. Tu as chassé la malfaisante Team Rocket de ces lieux. Nous t'en remercions encore. Mais nous crois-tu frêle et sans défense? Sache qu'une femme avisée ne dévoile jamais tous ses talents. Je m'appelle Satsuki. Permets-moi de juger de tes talents de Allez, combat. Allez, montre-nous tes talents. Elle se cache. Petite Madame Kimoné. Camille. Alors, c'est Joe. Fois sirène. C'est elle, c'est les reines. Oui. La petite... Petit hop. Le cascade des familles. Petit hop qui va se prendre un petit vent mauvais. Tiens, je vais essayer. Onde vide. Ok, aïe. Ce n'est pas très efficace. Aïe, l'onde vide, moi j'aime pas. J'aime pas onde vide. C'est bon. Ah, t'as la trouille, mais c'est pas. Ah, ça ne l'affecte pas. Shit. Il est normal. Aïe, c'est, et je repère 84. C'est tellement pas intéressant. 6 mois, ça devient là. Ah, cool. Oh mon dieu. Oui, on va éviter de perdre un seul ourdo. Que je l'ai jamais utilisé en fait. Si, si. Dans le repère de la Team Rocket. Ouais. Fais attention. Je switch. Tu possèdes indubitablement de grands talents de dresseur. J'ai vu dans le tweet. Fake Vas-y, ball. Fake ball. Petit Voltorbre. Je tourne, je danse. Oh putain, l'onde vide. Je t'attends. Il fait mal ce poisson. Non, vas-y. Non, je t'attends. Ok.
Mais tu sais, c'est que tu peux enchaîner un combat et avoir un combat difficile. Ah oui, et... allez. Voilà. Quel superbe combat. Tu m'as délivré de la glace où j'étais prise. Je suis Sakura qui glisse chasseuse avec... de cartes. Qui glisse sur la glace. Tu as passé avec succès l'épreuve de l'ancien dans l'antre du dragon. J'ai tout entendu depuis l'extérieur du temple. Il est temps de juger par moi-même de ta valeur au combat. Nous sommes espionnés. T'as vu? Oui. Je suis au même endroit que toi. Oui. Anne. Très bien. Fionne. Barpo. Coucou. Je vous connais tous les deux là. C'est ça. Ah ouais, merde. Alors attends, le Barpo qui peut faire mal. Close combat. Oh non. De mémoire, Barpo fait très mal. Oh. Il rigole pas, Tofionne. Barpo, ah, de mémoire qui fait très mal, donc on va envoyer Nawel. Ouf. Ouais, c'est ça, le poison de froid. Ouais, voilà. Petite ombre portée de Nawel. Non, par contre, il a un peu mal, mon Yolo. Ah, la victoire semble mienne. C'est bon, one shot. Parfait. Nawel, il est intéressant. La dernière. Il a une attaque de priorité. Je suis la dernière. Lors de notre rencontre dans le doublon tunnel, tu m'as fait forte impression. Je suis Komono, qui virevolte même sous terre. Tu as su repousser avec brio les menées diaboliques de la Team Rocket à la Tour Radio. Tu m'as littéralement transporté par la grandeur de tes actions. Cette fois, montre-moi ta force en face. Prépare-toi à combattre. Ok, bah pour l'instant, on se laisse enfiler bien, hein, tout va bien. C'est l'enfilade. Le titre, ça va être ça, l'enfilade. Kikli pour toi, sable héros pour moi. Je vais soigner, dans le doute. Moi, je switch de... Parce que je suis midlife. Ah oui, switch. Ça, on a 6 Pokémon. Oui. Et on va terminer avec Weji. Alors, pas toi, pas poète. Est-ce que toi, tu es bien? Non, t'as Croc pas de mort. Défense. Aïe. Ah. C'est bon. Parfait. Coupe psycho. Non, on va envoyer Nom Nom. Nom Nom. Le Boostiflore. Fais la tête du Boostiflore. Parfait. Voilà, donc encore un emoji Boostiflore qui va arriver. Oh, mais non, mais j'aime pas ces attaques. Bon, bah adieu. Cadozio ? Ok. Oui. Par contre, j'ai pas compris pourquoi l'attaque représailles fait autant mal. C'était quoi ton type sur... C'était normal, ça avait aucun... Ah, moi, depuis tout à l'heure, je fais le boulet. Envole-toi. Donc Cadozio est mort, c'est très bien. Oui. Bon, on va envoyer Rolou. Pic toxique, mais putain, mais il est relou. Michel, t'as, ça suffit. T'as un vol ou pas? Oui, je suis en train de faire vol. Ah, d'accord. Oui. Je regarde sa vie descendre et j'espère qu'il meurt. Pic toxique, c'est bon, il va mourir. Sauf s'il fait une logique, nuit, pied brûleur. Ça, la dernière, ouais, elle nous fait pas rigoler. Ouais, j'avoue, je suis un peu... Ouais, ça va, je suis assez satisfaite quand même. Bon, on a perdu encore une fois ton Étoraptor. Ah non, mais mon Étoraptor, il est bof. Rip en paix. Oui, rip en paix. Une pepperoni. Yeah. Scarlett, ça y est, c'est fait. Quelle prodigieuse victoire que celle-ci. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Et voilà, en 5 combats, 5 fois 4560 Pokédollars. Ouais. Aucune erreur n'est possible. Tu es digne de posséder cet objet. Prends-le. Et on reçoit le glas transparent. Tempête. Le glas tempête. Non, et moi, trans. Ouais. Transpiration. Ouais. Maîtresse ! L'ombre des gigantesques Pokémon plane sur les tourbilles. Se pourrait-il que... Jeune Kiris, nous partons sans plus attendre pour les tourbilles. Pour la tour Carillon. Mais moi, faut que j'aille à l'autre bout du monde. Vous êtes relou. Donc, on va faire un petit cut. Le temps qu'on arrive devant les légionnaires. Ouais. Ok. Et voilà, donc nous sommes devant notre entrée. Kiris Boud, vous allez vite comprendre pourquoi, incessamment sous peu. Comment dire ? Du coup... le Pokémon de zone de Kiris, le premier Pokémon qu'elle croisera dans cette zone, sera combiné dans cette zone-là à moi, puisqu'elle n'aura pas accès à cette zone avant la deuxième île. Donc du coup, si on y arrive. Le couple qui aura ici... Île. Hein ? T'as dit île, je crois. Ligue. Ligue, oui. Oui. Le couple qu'on aura ici, bah, ce sera le couple voilà, légendaire. Enfin, si on arrive à avoir le légendaire, si on ah, fait le pas... Ah, on est obligé de prendre... On ne peut pas prendre de Pokémon dans voilà. La zone. Et donc voici pourquoi Madame Yoshi rage... Mais
J'ai un petit plan. Je me permets d'offrir un plan parce que déjà, dans le noir, c'est merveilleux. Enfin, à la base, c'est chiant, alors dans le noir, c'est encore plus merveilleux. Du coup, je me permets de prendre une petite map. Et moi, du coup, je vais faire claquer les repousses. Ah ! C'est pas le bon plan. C'est pas le bon plan ? Je sais pas où j'arrive, mais j'arrive. Merde. Où est-ce que je suis ? Merde ! Tu viens de sauter quoi ? Je viens de sauter, mais à la base, je suis censée arriver là, tu vois. Oui, non, t'es là. Mais non. T'es là. Ah, comment... Tu vois, j'avais raison. Ah, comment ça, J, d'accord. Bah oui, t'es rentré par J, donc... Du coup, de J, on passe à K, de K, on va à L, de L... Tour Carillon. Ah, ça va, c'est pas trop le sel. D'accord, si je me... Je crois que je suis fou avec je... ça, que ça... Oh voilà. Moi, j'y suis. Vous allez me voir. Tu as enfin trouvé, je t'en prie, passe. Vous allez me voir regarder une feuille. Ça va être merveilleux et très intéressant. Du coup, de K, on va jusqu'à... Donc, j'avais raison. L. Oui. L'effet du repousse s'est dissipé. Putain, déjà. Alors, de... Alors, je sais où je suis. Alors là, il y a un mur. Du coup, là, faut que je suive le chemin. L'effet du repousse s'est dissipé. Putain. T'as fait les premiers repousses ? Oui. Ah oui, mais moi, c'est ce petit labyrinthe que j'ai là. J'aime bien, moi, ça. Ouais, mais ça, c'est facile. T'as pas besoin de flash. Alors. Et t'as pas besoin d'une carte. Non. Je devrais m'en sortir. Alors. Alors, on descend là. Je crois que je m'en sors bien, moi, de mon côté. Alors, Ah ! Lumière, parfait. Non, je suis bientôt arrivée. Ah, bah ça gère. Tu vas peut-être arriver même avant moi. En fait, les autres trucs, en fait, c'est pour tourner en rond. Et pour... Attends. Tourner en rond. Voilà, pour tourner en rond. Et pourquoi il y a deux cascades, en fait ? Regarde, il y en a une là, et une là. Oui, car c'est la cinématique. Une, c'est la cinématique. Allez, essaie d'arriver en même temps. Tu vas arriver avant moi. Oh non ! Qu'est-ce que tu fais là ? Oui, mais t'es arrivé. Ah ! J'ai eu peur, je me suis dit, putain, fallait le battre. Tu l'as enfin trouvé, je t'en prie, passe. Putain, là, c'est d'où j'arrive. Alors, du coup, faut... Ah ! D'accord, faut que j'aille voir la cinématique, je pense, d'abord. Vas-y. Non, y'a rien. C'est un objet. Une baie. Merveilleux. Oh, c'est joli d'ici, j'aime bien. Je crois que je me suis perdu. Mais non. Ah, j'aurais pu le faire les... sans map. Alors. Une baie qui Yahweh. Qui One. Bah, je t'attends devant. Oh, j'arrive. Ah, mais non, mais je descends là. Attends, je fais de la merde. Ah non, je suis pas passé non, par là. Non, c'est juste pour. La deuxième. Non, c'était. Ah non, c'était la clé de voûte que t'avais. Ok. En fait, moi je récupère les objets, mais je suis déjà passé par là. Ah oui, mais moi je me rappelle ça, c'est un labyrinthe de merde ici. C'est relou. Petit saut, petit. En attendant, je réfléchis à qui je mets devant. Finalement, le sel est vite parti chez toi. Ouais. Une baie goyave. Bon, bah, ce sera Groudon devant avec ce. Ce truc. Ou alors, je mets Subarashi devant. Ah! Je suis pas au bon endroit. C'est quoi, c'est... Non, je vais m'en sortir, sortir. À la fin. Et là, table de super pouce. Bim, Pokémon de zone. Oh, le Lucia.
Ok. Ça y est. Enfin... Je l'ai fait sans map. Je m'en suis sorti. Oui. Ce fut long. C'est exact. C'est ici que nous allons accueillir Luo. Quand le glace tempête transparent que nous t'avons confié entrera en résonance avec cette danse que nous avons répétée. Tu es en train de bouger la caméra. Chaque jour. Tu es en train de bouger la caméra en moment. Touchant Pardon. Le fil. Pardon. Désolé Pardon. Du séisme que vous venez de voir. Alors, Oh Lugia qui dort dans la cascade. Non, Luo. Luo qui dort dans la cascade des cieux réapparaîtra à nos yeux. Ils ont aucune différence, tes deux glaces, c'est magnifique. C'est ça. J'aurais pu faire un effort, hein. La petite danse. Ah. Par contre, je sais pas d'où elles font de la musique, mais très bien. Toi, t'as des vagues, moi j'ai des feuilles. Ah, je préfère les feuilles. Tu préfères le poulet ? Poulet. Poulet ! Le chien, il aime bien le poulet. Ouais. Poulet ! Oh, ça fait gling. J'adore la musique. Bon, en fait, leur danse, c'est tourné en rond, quoi. Bah oui. Très original. Oh. Le poulet qui arrive. Elle est très longue, ta cinématique. Ah mais ils ont pas fini de danser. Coco de toi, il sort de la cascade. Oui. Oh, c'est badass. Oh, la cinématique. Regardez cette magnifique... C'est moi ou t'as des cinématiques, c'est beau. Ta cinématique est moins dégueulasse 3D-ment que la mienne. Ouais. Cet être est nul d'autre que Luo, le protecteur des mers cieux. Des merci. Dans des cieux des mers. Des cieux mers. Des cieux des mers. Vénéré depuis des temps reculés. Innombrables furent ceux qu'ils tentèrent en vain arriver jusque-là. Mais ton cœur, jeune Yoshi, Kiris, a résonné avec le clat transparent tempête. Et il est venu. Regarde, jeune Yoshi, Kiris. Oh, Oga, non. Ogia, semble. Il semble, il n'attendait la venue d'un tel être que toi. Merci. Bah, je j'aimerais sauvegarder avant. Pourquoi ? Au cas où si on fail, non ? Non. Non. Ok. Oh, je suis même pas. Il y aura dit. Oui. Sarho. Ah, attends, faut que j'aille devant lui avec surf et tout. Attends. Ok, ok, on se calme. Yes. Est-ce que vous êtes prêts, les amis, au combat bon, du sel? Ça, c'est sûr, c'est Lugia et Ho-Oh qu'on a. Il y a pas de surprise. Pas de shiny, pas de shiny. Non, bon, c'est bon. Triste. J'ai niveau 45. Oh, ouf, il va nous faire les fesses. Ok, sac. En plus, c'est l'intimidation. On va tenter tout de suite les bowls. Parce qu'en général, les légendaires prévus du jeu sont faciles. On a une Master Ball, mais on la garde. Ah oui, c'est vrai, on a la Master Ball. Je la garde, la Master Ball, pour l'instant. Que en dernier recours? Ouais, dernier recours, la Master Ball. Ok. Ok. Ah, peut-être une sombre ball, ouais. Ah, presque. Oula, ouh, non, okay. Pas une attaque comme ça, SVP. Tu sais, il baisse la tête. Ah. Ah, j'aime pas t'as ça. T'as un spectre pas. Peut-être. T'as un spectre. 1, 2. Ah putain, 2. J'ai électrique, roche, dragon acier, acier. Reflet magique, ok. Roche, non, j'ai pas de spectre. J'ai dragon acier, ça peut. Non. Acier dragon. Et les canons, putain. Ah, mais non, j'ai laissé poète. Je sens que. Là, ce Ho-Oh a une précision. Wow. J'ai fait un coup critique. J'ai pas... Ah, la Mass Ball peut servir. Il est lourd, le gars. C'est un légendaire, s'il est lourd. Allez. Non. Ok. Il refuse. Moi, j'ai fait un coup critique. C'était... J'ai peur. De toute façon, t'as des soins. Oh. Ok, c'est bon, j'ai pas peur. Capturé. Non si. Avec quoi? Sombre Ball. Mais j'ai pas de Sombre Ball. Mais j'ai dû l'affaiblir, quand même. Je l'affaiblis pas. Les données de Ho-Oh sont... Par contre, il doit avoir des stats, mais pourries, aux ténèbres. Oh, sympa. Les légendes racontent qu'il survole le monde en permanence. Allez. Bon, oh, ce petit Ho-Oh va être en couple avec Lugia. Je veux pas le tuer. Grêle, ça part au bout d'un moment. Voulez-vous le surnommer? Hein? Oui. Grêle, c'est pas définitif, ça part. Au bout de 5 tours. Ok. Ouais, il est rapide!
Du coup, je vais l'appeler Pouley. Voilà. Poulet, 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 poulet. Il craint la glace, le tien. La glace, ouais. Bah non. Il doit être dragon, ton loup-guia. Pourquoi? Non seulement tu as appelé Oh-Oh jusqu'ici, mais de surcoup tu as réussi. Et tu l'as appelé Poulet. Ah, faire tienne, sa puissance. Trois. C'est absolument admirable. Oui. C'est absolument admirable que tu n'aies plus rien à apprendre de nous. Le bonheur que t'accompagne jusqu'au bout de ton voyage. Comment je l'appelle? Pigeon? Non. Ce que tu veux? Non. Plante haut. Voilà pour régner la glace. Félicitations pour ce que tu as accompli le prochain. Comment je l'appelle? Et nous revoilà. Oui, re. Voilà. J'étais en train de me balader car je voulais faire vol. Mais oui. Au final, oui, j'avais oublié qu'on était en cut. Voilà. Donc, vas-y, hein, dis le nom de ton Neptune. Neptune. Parce que, voilà, c'est le roi des mers. Donc, Neptune. Et voilà. Voilà. Donc, là, limite, on peut faire un prout et c'est fini. Voilà, elle me parle même pas. Non, non. Donc, tu peux utiliser ta carte de sortie. Oui. Tu vas dans un centre le Pokémon 2 plus proche. Et on va les observer. Et du coup, dans le prochain épisode, la route... In the road in victory. Et on va taper Yamete et A sûrement. Elle a eu une espèce de bug sur ton écran. Wow. Combien de tours elle a fait sur elle? Je me souviens pas qu'elle tournait autant. Un petit pouce, j'ai eu 5 ans. Je sais pas, peut-être par terre. Allez, bon. Poulet, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Donc déplacer Pokémon. Déplacer Pokémon. Fouette, donc le poulet. Donc il a l'anti-teinté. Il a la plaque toxique en objet. Donc résumé. Et j'ai peur la précision des attaques en fait. Alors, au point de vue des stats, c'est correct. Il est très très rapide. La plaque toxique, ça lui sert à rien. Il est défensif. Ultima Washi, 20 de précision. Tu m'étonnes pourquoi il a chié. Et les canons, 20 de précision. Je comprends pourquoi il a chié. Reflet magique, bon, il y a que ça qui fonctionne. Putain, mais il est nul. Ah ouais, non, en fait, il va reprendre des attaques, mais. Poulet, il est. Alors, il a intimidation, il avait des attaques vachement bien. Vibre obscur, vol magnétique, coup de crâne. Alors, cette attaque. Par contre, il est bien défensif. 18 d'attaque. Bon, ça va, il a que du. Non, j'allais dire, il a que du spé, non. Mais Vibre Obscur est pas mal, ça me plaît bien. Vibre Obscur, c'est sympa, ouais. Ça peut être pas mal aussi, Champ Magnétique. Après, Coup de Crâne, je suis pas fan, et ça non plus. Sachant que il est pas attaque. Mais je peux lui apprendre Cascade, parce que c'est pas mal. Vu qu'il est haut en plus. Et les canons. Est-ce que tu es heureux? Non, mais en fait, je l'ai vu moi au combat, car il m'a tenté plusieurs fois Ultima Washi et les canons. Et il est tombé. Il est échoué. Oh putain. Et j'étais là. Oh putain, la précision doit être basse. Donc voilà les amis, bon je pense que l'épisode finalement risque d'être un poil plus court que d'habitude. Pour nous il a été... Voilà, pour nous ça a été très très long, nous sommes quand même à 42 minutes de record. Mais ce qui va vous assurer que dans le prochain épisode, ça sera le dernier avant l'épisode de la Ligue, on fait la route victoire en un trait. Oh si non, l'épisode fait vraiment... On le coupera en deux mais de manière brute. Non. Si cet épisode fait vraiment que 15 minutes, entre 15 et 20 minutes, on fera la route victoire en un trait. Donc vous aurez la surprise. Donc soit un, soit deux épisodes avant la Ligue. Allez, sur ce, portez-vous bien. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Mr. and Mrs. Yoshi Soul Link Challenge. Vous pouvez suivre Kiris sur sa nouvelle page YouTube. C'est une surprise, il faut pas voilà. le dire. Voilà, on vous explique pas encore pourquoi. Sinon sur Instagram et DeviantArt. Et pour moi, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Vous avez les liens dans la description. Sinon si vous voulez discuter avec nous, rendez-vous sur le Discord de la Yoshi Family. Allez sur ce, portez-vous bien. Peace.